Dans l'avion, j'ai eu une super opportunité, l'occasion de découvrir ce dessin animé camerounais qui s'appelle Minga et la cuillère cassée. Spéciale dédicace à tous les Camerounais. Yeah, I'm up at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Brought me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down 8th Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm up at Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my tie, sitting courtside, Knicks and Nets give me high fives. Nigga, I be spiked out, I can trip a referee, tell by my attitude that I'm most definitely full. Je viens d'arriver. On va découvrir ma chambre ensemble. Alors, je cherche la chambre numéro. Je vous dis pas. Alors, hop, hop, hop. Pas mal d'hôtel. Hein. Vraiment pas mal. C'est le Sofitel à New York. 45 West 44th Street. Et. Here I am. Ok. Donc j'essaie juste de prendre la clé. Ma clé. Hop. Oh. Et nous voilà. Welcome. Voilà la chambre. Oulala, c'est quoi cette peinture là sur le mur? Bah bon, ça va, elle est spacieuse par rapport à la dernière fois. Elle est pas mal. Et la salle de bain qui est souvent ma pièce préférée dans une chambre. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Hop. Voilà, 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 voilà. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Welcome. Bon. Et la vue? How is the view? the view is a New York view. Je sais pas si vous allez remarquer. Donc, bon, là, on voit... On voit les grands bâtiments et tout. Mais juste en face, on a un grand bâtiment. En fait, bon, la vue n'est pas dégagée. Hein. C'est donc une vraie vue new-yorkaise. Voilà, voilà. Motivation à la salle de sport. Il est 7h du matin. Voilà. Histoire de démarrer. Tu vas apparaître. Ma collègue Kenza.
Voilà, et j'essaie quand même de prendre du temps pour filmer un petit peu la vie. Donc, on n'est pas loin de Times. Balade avec les collègues dans Times Square. C'est trop beau, n'est-ce pas? Merci. C'est trop joli, franchement c'est trop joli, regardez, c'est magnifique. En fait j'aime beaucoup ce coin à New York. Il y a des bars sympas pour sortir et nous on va aller voir un live musical et manger avec mes collègues. C'est trop joli, c'est trop beau, c'est éclairé et tout. Je sais pas si vous voyez derrière. Hop, 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 hop. Bon, bah, c'est hyper sollicité. Il y a du monde. Oh, en fait, c'est ça, café Wa. Café Wa. On the shoulder of the road, listening to Yanni. Oregon.
boat on that 3 hours. How long is visiting Harlem? This one is an hour and a half. You understand? Coucou tout le monde, je suis presque au milieu du Brooklyn Bridge. Voilà, si vous voulez avoir un aperçu, regardez derrière moi à quoi ça ressemble. Tellement de touristes ici. En réalité, l'eau n'est pas bleue, l'eau n'a pas une super belle couleur. Peut-être à cause du temps. Walking with my click though, welcome to the melting pot, corners where we selling rocks, African Bambaataa shit, home of the hip hop, yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back for foreigners, here they fair, they act like they forgot how to act, 8 million stories. Comment je fais en fait? Voilà, restaurant avec Armel dans le Paris Side. Montre un peu le resto. Ouais. Et on rentre parce que je filme le Upper East Side avec tout ce que ouais. Tu me montrais, les drive-by et tout ça. Je suis dans Upper East Side. Alors, les filles, Gossip Girl, ça vous parle? Upper East Side. Ça, c'était mon look de la journée de samedi, donc coucou tout le monde. Alors j'ai terminé mon samedi de la première semaine à New York. J'en ai profité pour visiter, pour faire le tour de la ville par bus. Donc il y avait un audio guide et du coup j'ai pu avoir l'histoire de la ville, l'histoire qui se cache derrière chaque grand monument, chaque rue importante de la ville. Donc en fait mon bus tour a démarré à Times Square, ensuite j'ai traversé Broadway, Little Italy, j'ai vu le quartier coréen, j'ai vu Chinatown, je suis passée par Wall Street, j'ai vu Ground Zero, donc la place où a eu lieu les attentats du 11 septembre, il y avait les tours jumelles. J'ai aperçu la Statue de la Liberté de loin. Ensuite, j'ai vu la skyline du New Jersey avec le tunnel qui est construit en dessous, en fait, du fleuve. C'est vraiment très ingénieux, je trouve. Même si j'ai appris qu'il fallait payer 14$ pour ceux qui sont au New Jersey, 14$ de péage juste pour arriver à Manhattan. Et puis voilà. Et ensuite, aujourd'hui, j'ai aussi beaucoup bossé pour vous. J'espère que ça va vous plaire. Je vous réserve vraiment de très belles surprises, de beaux sujets que je publierai très prochainement sur ma chaîne. Donc, par exemple, j'ai interviewé des personnes qui bossent à New York. Donc, pour partager, pour avoir un partage de leur expérience, pour savoir un petit peu quelles sont les différences entre travailler à Paris, travailler à New York, pour collecter des conseils pour vous, Parisiens, si demain vous souhaiteriez changer de carrière ou venir aux États-Unis. Là, il est tard, en fait, je vais aller me coucher, parce que demain, je compte aussi visiter Central Park, donc je compte aller à Harlem, parce que j'ai eu un bus tour sur 2 journées, et demain, je vais faire la partie qui va jusqu'à Harlem, et de là je vais traverser Central Park. Je pense que je vais le faire à pied, ce sera une très belle balade s'il fait beau. Ah oui, aujourd'hui j'étais aussi à Upper East Side, j'ai oublié, donc toutes les femmes de Gossip Girl vous savez ce que ça évoque, hein, de marcher dans les rues de Upper East Side. Donc voilà, je tombe de sommeil. Bon, je vais me coucher. On continue demain. Parce que je suis fatiguée, il faut vraiment que je dorme depuis que je suis arrivée
à New York, à cause du décalage horaire, en fait, c'est difficile d'avoir une nuit de sommeil de qualité. Donc, en général, à 3-4 heures du matin, je suis debout, parce qu'en temps normal, il est 9-10 heures à Paris. Et donc, j'ai du mal à me rendormir. Mais par contre, je me couche très tard, parce qu'après le boulot, avec les collègues, ben, on se fait un bon resto, vu qu'on a un budget à louer, et du coup, ça peut tirer en longueur et on termine tard. Donc je me couche tard, je me lève tôt. Et en même temps, en fait, à New York, il y a une sorte d'adrénaline qu'on arrive. En fait, c'est quand on dit The city that never sleeps, c'est vraiment vrai. Parce que quand on arrive, ben, on en perd le sommeil, on est. Enfin voilà, on a envie de faire plein de choses, on a envie de visiter plein de choses, de profiter à fond de sa life. Il y a plein de choses aussi à voir, franchement c'est très fascinant, je vous le souhaite. Pour ceux qui sont jamais venus à New York, je vous souhaite vraiment un jour, voilà, la grâce de découvrir cette ville. Et en tout cas, j'espère qu'à travers mes vidéos, vous pourrez, que ce sera pour vous comme si vous y étiez. Voilà. À demain, bonne nuit. Hello tout le monde. Là, je suis en train de faire le deuxième tour de Uptown à New York. Je vais passer par Harlem, je vais faire Central Park. Je suis un petit peu en retard, il est 15h. J'espère que j'aurai suffisamment de temps. Parce que après, je vais aussi aller voir le Museum of New York. Bon, à plus, à tout à l'heure. Hello tout le monde. Je viens d'arriver à Central Park. Donc voilà pour un petit aperçu parce qu'il est vraiment super grand. Super grand ce parc. Et en face, il y a the American Museum of Natural History. Et du coup, moi je voulais m'arrêter au musée de New York. Je suis descendue du bus tour, mais en fait j'ai confondu. Je ne vais pas m'arrêter à cet arrêt-ci. Enfin bref. Voilà. Can step out of bounds quick. The sidelines is blind with casualties. Who sipping life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple leaf. Caught up in the in crowd. Now you're in style. And in the winter gets cold and vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls gone bad. The city's filled with them. Breakfast at the hotel, Sofitel, before going to work. I have a great place next to the windows, close to the window. My last day in New York, voilà. Oh là là, cette ville est tellement ensoleillée, c'est fou, malgré les grands bâtiments en fait. Soleil après la neige, parce qu'il a neigé en fait cette nuit. Je sais pas si vous voyez le sol. Voilà, c'est la fin de mon séjour. Ma dernière journée au boulot, j'ai quelques dossiers à boucler et puis après je prends l'avion à 16h et je rentre à Paris. En plus, demain c'est mon anniversaire, donc voilà, j'ai failli fêter mon anniversaire à New York. Ça aurait été sympa, hein? Allez, à toutes.
Hello, tout le monde, je suis dans le taxi, je suis en train de partir à l'aéroport. C'est la fin de mon séjour à New York. Un très beau séjour. Voilà, je suis contente d'avoir voyagé. Je suis contente aussi du séjour. Je suis contente d'avoir été à New York une fois de plus dans ma vie. C'est une ville vraiment formidable, impressionnante. I really, really like this city. Et là, dans le taxi, enfin, je ne suis pas vraiment dans un taxi, je suis dans un VTC. Et le chauffeur, il m'a raconté une histoire, mais de ouf. Je crois que soit je vais vous faire une vidéo spéciale dessus, soit je vous raconterai à la fin de ce vlog, mais... incroyable quoi. Limite j'avais envie de l'enregistrer mais j'avais pas le droit et je voulais pas le couper dans son élan en lui demandant l'autorisation de l'enregistrer. C'est tout. Now she got a bust out, everybody ride her just like a bus route. Coucou, donc je viens d'arriver à l'aéroport de JFK, Kennedy Airport. Et en fait, j'étais un peu dans le rush parce que j'ai eu 1h30 de trajet. Donc j'ai failli arriver en retard. Mais là, c'est bon. La pression redescend. Bon, je m'inquiétais pas trop. Alors, j'avais un petit aperçu de l'aéroport. Personnellement, je préfère Charles de Gaulle Étoile. Cet aéroport me semble un peu plus vieux. Non, je trouve que Charles de Gaulle Étoile est plus intéressant. Mais malheureusement, je vais atterrir à Orly. Voilà. Bon, on se retrouve à l'arrivée. Je pense que j'ai bien dormi dans la vie. Plus tard. Virgin and Jesus can't save your life starts when the church ends. Came here for school, graduated to the high life. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. MDMA got you feeling like a...